Bonjour et bienvenue à tous encore avec moi. Donc aujourd'hui j'ai reçu la Crazy Boss du mois de juillet dans ma boîte à lettres. Et donc j'allais l'ouvrir et en fait je me suis dit tiens, je vais l'ouvrir devant la caméra comme première impression. Parce que d'habitude quand je fais les vidéos, j'ai testé les produits et je sais qu'est-ce qu'il y avait déjà dedans. Là je vais faire surprise. Et donc je regarde bien que mon adresse est de l'autre côté parce qu'il y avait une fois qu'il a fallu recommencer la vidéo parce que mon adresse c'était ici. Et donc et voilà. Donc je vais ouvrir la Crazy Boss du mois de juillet. Ta-da-da-da. Youhou. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il fait super chaud, j'ai 28 degrés à l'intérieur du salon. Là il a fallu que je ferme les rideaux pour avoir un contraste pour la caméra parce que sinon c'était je voyais rien. Je jette tout de suite le papier. Et alors, ça se présente comme d'habitude, le même packaging derrière, avant. Et donc, boîte en tiroir. Donc, pour ma part, ça me coûte toujours 9,50€ plus les frais. Donc, 3€ de frais de port. Parce que je suis une ancienne cliente, je veux dire abonnée. Parce que sinon, maintenant, les personnes qui s'abonnent, c'est pas 9,50€, c'est 10€. Donc, et voilà. Je ouvre et qu'est-ce que je vois? Ah! Un très joli papier qui dit glitter. Tada! Donc, et voilà, voilà. Moi, je veux pas lire parce que... Bon, tout le monde, il sait lire. un carton. Donc apparemment, je vois un autre carton et c'est marqué l'only de moi. Donc des paillettes fines, libres, indigo. Donc voilà, des années 90, c'est marqué. Son prix, c'est marqué 4,80€. Youpi! Donc ça démaquille les paillettes avec des huiles. On va voir le produit après. Après, qu'est-ce qu'il y en a? Le petit carton. Qui disent tous les prix des autres choses. Et donc bon, les paillettes a déjà 4,90€. Donc un très joli, je vais voir comme ça, un très joli papier jaune. Voilà, on va pas trop. Pourtant je vais essayer les stores. Donc les papiers je les garde toujours parce que c'est des papiers de soie, très bonne qualité. Déçu. Penis. Qu'est-ce qu'il y en a encore dans la boîte? Purée, purée. Encore le blush L'Oréal. Punaise. Donc, voilà. Oui, je suis comme ça parce que je viens de le donner à ma mère. Parce que, bon, évidemment, on a tout le temps des choses comme ça. Et c'était le même. C'est toujours la même couleur aussi. Et en fait, moi quand je mets ça, on dirait un clown. Bon, on va voir. Donc c'est bien fermé avec des scotch. Très bien. Donc ici, c'est marqué qui coûte 10,70€ quand même. Le pan blush L'Oréal pour avoir une bonne mine ensoleillée. Bon. C'est toujours le même, la même couleur, la même teinte. Je teste parce que l'habitude ne marche jamais. C'est bon, ça marche. Parfait. Donc bon, maman, je t'ai donné un et je me retrouve avec un autre. Donc j'ai rien perdu. Donc là, on met comme ça, dans la joue, on tamponne. Et voilà. Sinon, on met un petit peu de l'éponge. Et voilà, on se tamponne. Donc rien d'extraordinaire. Son prix, ça me surprend. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte que je suis déçue? On a encore eu le même. Un crayon de la marque Juste. Et donc, c'est un crayon, on va voir, eyeliner. Ok. Eyeliner, donc pour les yeux. Des fois, c'est pour les yeux et les lèvres. Celui-là, non. Donc la teinte, c'est marron. Je suis très bien avec les marrons, mais
Je suis contente avec les marrons, oui, mais je n'ai déjà plein de marrons. Hop, et ça marche, parfait. Voilà, ok. Et qu'est-ce qu'il nous raconte au dessin? Crayon du rétractable juste, parfait, 5,90 €. Donc pour le tracer au ras des cils, là je peux pas, parce que je ne vois pas. Attends, fais voir. Au ras des cils. Après, on peut faire aussi un ombré, hein. Je vais tester dans ma main. C'est doré, en fait. En fait, je ne l'ai pas. C'était couleur dorée, non. J'ai des marrons, mais pas couleur un petit peu châtaillée. Bon, ça brille un petit peu pêche quand même. Mais la marque est juste, on l'a, mais pas rétractable, on l'a en des crayons, si je me souviens. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a Glitter Top Coat. Lash Candy, Maybelline. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un mascara glitter. Ok. 7,99 €. Je sais pas pourquoi ils disent 99, ça m'énerve. C'est 99, ils vont pas nous donner les centimes qu'on achète. Donc, c'est pour éliminer, illuminer les cils, évidemment. Et c'est quelle couleur? Oh, punaise! Il y a plein de paillettes, en fait. Bah, pourquoi il... Ah oui, c'est seulement que des paillettes, en fait. Attends, des paillettes. Donc, des paillettes. Donc, en fait... C'est un taux de côte, quoi. On se met notre mascara habituel et après on dépose les paillettes. C'est tout. Et en fait, c'est une boîte à paillettes, quoi. Bon. Je sais pas si ça se voit, que ça cligne. Ça brille pas. Cling, cling, cling. C'est une boîte à paillettes. Ça, c'était le troisième produit. Et c'est de la marque, on a dit Maybelline. Et comme dernier produit, on a donc voilà les super paillettes que c'était marqué. Et le produit incognito, un acné. Celui-là qui coûtait, on avait dit 4,80 €. Et c'est de la marque Indigo. Donc c'est doré. Donc heureusement qu'il vient prêt. Prise santé, presque pas mal avec un plastique, quoi. Présente, bon, comment on dit ça? Attends, si quelqu'un veut me corriger, vous pourrez le mettre en barre d'infos. Hein. Comment ça dit? Présenté, non, bon, allez, hop là, ouh là là, on s'étache déjà plein les doigts, on va ouvrir, ah ça tombe partout. Faut fermer ça trop vite. Donc en fait, il va falloir mettre un produit avant la paupière, évidemment. Et après, se mettre un glitter. Je sais pas. Moi, je mets pas cette chose-là parce que autant dire, fais voir. On va mettre dans l'œil, fais voir. C'est doux. Ouais, ça tombe, évidemment. Bah, donc voilà, ici je mets comme ça dans ma peau. Voilà pour le jour des longs, jour de Noël. Vous avez comme ça plein de paillettes. Hein. Oh, pour, ah oui, en parlant pour les activités des enfants, papier, paillettes. Voilà, vous avez tout. Parce qu'en plus, comme vous dites, on a des stickers. Voilà. On pourra faire tout plein de choses pour les enfants. Camisette, un bag, make-up, bag, phone case, denim jacket, anything.
Oui, c'est en anglais. J'ai un très mauvais anglais. D'ailleurs, j'ai rien du tout d'anglais. Mais je peux comprendre que c'est marqué, vous pourrez laisser dans votre sac un maquillage, dans votre valise, dans votre téléphone. Et quelque chose d'autre, non? Anything. Jacket. Jacket. Pochette. Je sais pas. Voilà, faut que j'achète dans le dictionnaire maintenant. Denim jacket. Et voilà. Donc bon, j'ai compris quelque chose. Et hello, Sumer. Sumer? Je sais pas si c'est l'été. Hello, Sumer. Et voilà, on a des ananas. Ouh là là, non, l'ananas, il est pas là. D'ananas, de la pastèque et un flamant rose. Ah oui, derrière, c'est marqué. Hein? D'accord. Donc, le truc que je savais pas, qu'est-ce que c'était, des jackets et des boîtes, peut-être le pantalon. Je sais pas. Ouais, parce qu'ici, c'est marqué toutes ces choses-là, ce qu'on peut le coller. Donc, votre sac, tiens, même dans les baskets. J'ai des baskets, mais je sais pas si ça va tenir. Parce qu'il faut les coudre, non, quand même. Pile des vacines, on des sticks. Apply to you, product operation family. On est sur le mauvais. No lavar. Hecho en China. Made in China. Ok, parfait. Donc là, je sais pas si ça colle, s'il faut mettre une colle. Je pense pas qu'il reste collé pim bam boum comme ça. Bon, on verra, les filles. Pour ma part, non, ça me plaît pas à ma boîte parce que j'aime bien qu'ils me brillent, mais pas autant que ça. Mes cils, j'aime pas qu'il y ait de la paillette. Est trop dangereux pour les yeux fragiles, même pour n'importe quel yeux. Les paillettes, ça raye la rétine. Tous les médecins, ils diraient ça. Là, bon, ça va, c'est métable, on peut l'utiliser. Ça, pour se déguiser en clown, d'accord? Et donc, paillettes, paillettes, clown, métable. Un seul produit, combien un seul produit là? 5,90 €. Là, je suis perdante dans ma boîte. Bon, donc vous voyez à quoi ils ressemblent. Les paillettes sont pas les mêmes du tout. Et donc, tromperie dans la photo. Bon, je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous. Passez de bonnes vacances. Ciao, ciao.